espère que vous allez bien. Est-ce que tu vas bien, Océane? Nickel. Et toi, Sarah, comment ça va? Moi, ça va. C'est très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve, je vais pas couper 8000 fois, on se retrouve pour une vidéo, c'est quoi déjà? Parce que c'est Sarah qui a peaufiné la vidéo. Dégustation à l'aveugle, marque vs sous-marque. Parce qu'on a l'habitude, en fait, de comparer les marques et les sous-marques sans avoir les yeux bandés. Et aujourd'hui, on va avoir les yeux bandés avec ce petit chat que Sarah... C'est procuré. Donc là, on va faire chacune notre tour. Donc par exemple, si Océane a les yeux bandés, c'est moi et Sarah qui allons choisir ce qu'elle va devoir comparer. C'est ça. Enfin, c'est Sarah qui va expliquer parce que c'est son idée. Mais voilà. Donc voilà. Et mais on va quand même tous goûter, comme ça nous on donne notre avis quand même. Voilà. Donc en fait, nous, imaginons que c'est Océane qui a le masque, elle va goûter et essayer de deviner quelle est la marque et la sous-marque. Et nous, on va goûter en sachant quelle est la marque et la sous-marque, mais on va dire notre avis, ce qu'on en pense, et Océane aussi va dire son avis. Voilà, c'est tout. Voilà. Et en plus, Océane, ça tombe bien parce qu'elle a très très faim. Voilà, moi aussi j'ai un petit peu faim, c'est 4 heures, donc voilà. Alors, au moment où on vous tourne la vidéo, Sarah, Océane est enceinte de 4 mois. Oui, mais c'est parce qu'elle a capté hier ou avant-hier hein, qu'elle vous l'aurait dit, hein, parce que, ah bon, t'as 4 mois quoi? Mais moi, j'étais persuadée que c'était 3, mais bon, bref. Ouais. Et elle a très faim, et elle fait beaucoup de malaise, ce qui m'inquiète. Vous devriez vous y inquiéter aussi. Voilà. Non, c'est vrai, ça m'inquiète. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous... c'est vrai, s'il y en a qui ont été malades comme ça pendant leur... Parce que toi, pendant ton premier grossesse, c'était pas du tout comme ça. Pas du tout. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce qu'elle est très malade. Bon, alors, oui, parce que vous recommencez, parce que là, oui. C'est parti. Bon, allez. Shifumi. Allez. Shifumi. Oh, Shifumi. Ah, bah c'est toi qui commence. À quoi faire? Bah, se bander les yeux. Tu te bandes les yeux et on lui fait goûter quelque chose de salé. Ça te dit rien ça? Oui, si. Bah, de toute façon, s'il y a du sucré, il vaudrait mieux le mettre vers la fin, toi. Ouais, ouais. Histoire que nos estomacs apprécient mieux la manœuvre. En plus, il y a un truc que tu as kiffé, maman. Attends. Du coup, très bien les cheveux tirés comme ça. T'as pas la bosse. Impeccable. Tu vois? Non, je vois juste là. Ouais, bah, et très légèrement. Ouais, ouais. On lui fait goûter ça d'abord. Ouais, ah bah oui, alors là, pour ceux, je sais pas ceux qui ont suivi la chaîne, je vais pas trop en dire, mais alors ça, ça elle le reconnaît pas. Mais de toute manière, elle je l'envoie à Babalouette. Elle a vu ça? Ah ouais, franchement, donc ça va être ça. Elle était avec moi quand j'ai fait les courses, donc yes. Bye, ça. Donc, on lui fait goûter quoi d'abord? Ça. Alors, on va commencer par lui faire goûter ceci. Tac. Donc, je précise que tous les trucs de sous-marque, donc c'est-à-dire pas ça, mais le truc, voilà, et ben, a été acheté à Leclerc. Donc, c'est marque repère. Tiens, ouvre la bouche. Commence à goûter ça. Ah ouais, c'est marque repère, là, c'est marque repère. Toi aussi. Ah oui, faut que je goûte, moi aussi. Mmh, c'est bon. Ouais. Tu devras dire lequel est la marque et lequel est la sous-marque. Ouais. C'est bon, t'as fini de goûter? Ouais. Vas-y. Le deuxième. Ouais, déjà l'odeur. Pas une différence. Ah oui. Putain, oui. Ah, mais on va lui faire sniffer aussi. Ah oui. Mmh. Ah ouais. Ah oui. Non, si, il y a une différence quand même. Oui, il y a une différence. Alors. Bah, je te jure qu'avec, c'est pas évident. Ouais, alors. Non, bah lève pas la tête, hein. Baisse là. Non, mais je vois, je te dis, je vois, mais. Oui, genre, mais faut sniffer. Ah, il sniffe le premier. Ouais. Quand t'avais goûté. Ah, ça pue ça. Ah oui, le niveau odeur, par contre, il y a vachement de différence, je trouve. T'as vu? Ouais. Donc alors, Océane. Quelle était la sous-marque et quelle était la marque? Je dirais. Que la marque c'était le premier. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Le bandeau. Je pensais niveau texture en fait. Le premier c'était celui-là. Putain, mais j'aurais pensé. L'odeur chelou. Mais j'aurais pensé, tu vois, niveau texture, j'ai trouvé celle-là plus molle que celle-là. Ouais. Non, je sais plus. Mais il y en a une des deux que j'avais trouvé plus molle et du coup je me suis dit que c'était. Bah ouais, j'ai honte là. Mais j'avoue, elle m'a cassé les couilles il y a 3 ans. On est curly. Prends. Devant, c'est entre nous deux le Shifumi, mais non. Bon. On mangera ça après. Shifumi. Donc c'est toi. J'enlève mes belles lunettes. Merci. Tu vois, c'est bien parce qu'on voit un peu. Ah ouais, mais là je suis maquillée moi. Bah moi aussi. Moi aussi.
Attendez, parce que j'ai une queue. Ouais, mais j'ai une queue là qui me... Océane. Non, mais elle pense qu'à ça. Non, je dirai rien. Ah, mais de toute façon, moi, je ferme les yeux parce que je peux pas les ouvrir. Est-ce que ça va, là? On a queue toute la place. Bah oui, ça va. On fait ça? Ouais. Et après, en salé, il restera... Alors moi, je suis pas au courant du tout des produits qu'il y a à manger. Hein. Il manquerait plus, tu sais, qu'il y ait une masque pour la bouche, là, ça serait... Montre les trucs, s'il te plaît. Donc ça, voilà, c'est la marque. Et ça, c'est la sous-marque. Donc c'est exactement la même chose. Hein. On a fait hyper gaffe à prendre exactement les mêmes choses. Ouais, niveau goût, niveau forme, on a tout préparé. Et des trucs aussi qu'on n'a jamais goûté avant, quoi. Ah, déjà, pour l'ouverture, c'est compliqué. Hein. On commence par... On commence par lequel? Ça mange avant moi. Tu savais ce que c'était un peu... Mais non, mais moi, je veux qu'on en ait un entier. Il est entier, celui-là? Oui. Oui. Oh. C'est bon, là, j'ouvre la bouche. Ouais. Vas-y, on lui donne lequel avant? C'est très perturbant, vraiment. Celui-là? Ok, donc ça, c'est ça. Vas-y, ouvre la bouche. Bah non, mais t'inquiète pas, on va pas te foutre des trucs dégueulasses dans la bouche, hein. D'accord. Tiens, goûte. Donc, tu... Je sais ce que c'est. Okay. Vas-y, fais-lui l'autre. Alors le deuxième, ça c'est pas de la marque. Mais du coup c'est ça, hop. Vas-y le deuxième. Vas-y. Tiens. Ah quoi que. Quoi? Pas possible. C'est de l'arnaque parce qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre. Ah si. Il y a une très très grande différence. Bah je pas ouf la différence hein. Si si. Ou sinon c'est moi qui ai eu un truc bizarre. Mais voilà. Alors, après ton expertise, je dirais que le premier c'est de la marque et le deuxième c'est de la sous-marque. Non, c'est l'inverse. D'accord. Et moi, la différence que j'ai trouvée déjà, c'est la taille. Déjà. La couleur aussi un peu. La taille, la couleur. Et celui-là avait beaucoup plus le goût, je trouve, que celui-là. C'est... Non. Mais c'est à quoi? Parce que... Au sésame. Ah ouais, d'accord. Et là, sésame bah, aussi, mais avec du pavot aussi. Ah, d'accord. Mais j'ai pas trouvé la différence parce que pour moi, c'était les mêmes. Bah oui, moi aussi, j'ai pas... Bah ouais. Même en ayant les yeux débandés, j'ai pas gâté. Bon bah du coup, il reste un truc salé, c'est ça. Ah oui, ram... Bon. Ok. Bon, je me mords les yeux, du coup, faut y couper, hein. Tu as montré à la caméra la différence entre les deux. Oui. Donc, on coupera, t'inquiète pas. Hop. Voilà. Alors, du coup, on va lui faire comparer ceci. Tac. Avec ceci. Ça tombe bien, j'avais envie de saucisson depuis quelques jours. Ah ouais. J'enlève les boyaux. Ah oui. Vu comme ça, ça fait chelou. Mais bah, si tu me coupes mon bout, tu pourras juste me le laisser pour moi. Oui. Et du coup, il y a deux couteaux hein, parce qu'il y en a un qui coupe un gâteau. Donc, faut pas prendre les deux. What the fuck? Vous étiez en train de le faire? Hein? Attends! Attends deux secondes! Oh, je sens la connerie. Non, promis, on fait pas de conneries! Vous avez utilisé les deux couteaux? Non! Si? Non! Si? Non, 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 mais attendez. Enlève ton bandeau et t'as connerie avec ta saucisse. Qu'est-ce qu'il y a là? Je pense que ça doit être la condensation qui a fait ça. Ah oui, ça doit être la condensation. Mais qu'est-ce qu'il y a là, ma saucisse? C'est un problème, mais pas saucisse. Mais oui, ça doit être la condensation. Oui, parce que la date de péremption est très bonne. Bah oui, non, mais oui, ça doit être la condensation. Mais je pense que c'est la condensation. Mais écoute, tu couperas par là. Ah, oui, parce que. Attends, je vais. Oui, celui-là. Du coup, ça c'est. D'accord. Bon, alors. Et faut regarder si les boyaux ils sont comestibles. Normalement oui, mais ça c'est gros. Bah ben, moi ça me va hein. Bon, je te coupe une fine tranche Sarah. Oh pas forcément. D'accord. J'aime le saucisson. Mais là c'est pas du saucisson mais c'est de la saucisse sèche. Bah c'est pareil, c'est du saucisson. Mais bon, alors je enlève la peau. Ah bon? Qu'est-ce qui te...
ça arrive. Bah rien, mais ah bon, c'est logique, je l'enlève tout le temps la peau. Bah non, mais des fois il y a des boyaux naturels, alors c'est bon la peau, j'aime bien. Alors voici le premier. Je vais goûter aussi, hein. Bah oui, c'est le but. Et là, en vrai, en termes de saucisson, c'est un truc qu'on n'a jamais comparé à l'aveugle. Enfin, en anglais souvent. Moi, c'est pour ça qu'on y a pensé. Ouais. Déjà. Bah oui. Bon, d'accord. Bon, elle vient goûter celui-là. Ça, vous. Moi, j'attends de voir l'autre, mais je pense que ça va. Par contre, je suis trop bête parce que je viens de me mordre, donc j'ai le goût de sang. Ah merde! C'est bon, t'es prête? Oui. Moi, je dis qu'à l'odeur. What, mais c'est bizarre. Il est bizarre ce saucisson, vraiment. Après, il faudra qu'on boive. Mmh. Là. Mmh. Ça confirme mon. Et là, j'ai envie de faire goûter celui. Ça confirme mon truc. Oh. Je peux lire mon verdict? Ouais. Je pense que le premier c'est la sous-marque et que le deuxième c'est la marque. Mmh, c'est ça. C'est ça? Ouais. Et ben, ça c'est un bon je ne l'ai pas beaucoup. Hein. Bah si, moi justement c'est juste un bon goût. Ah, pas moi. Ouais? Ah non. Enfin oui. Hop. Tiens, Océane. Alors maintenant c'est au tour d'Océane ben, de déguster. Ouais. Donc ça va être de la boisson là. Mmh. Ah, mais c'est sur le boisier, c'est sur le. C'est pas le goût que je connais le mieux. Donc, ah, moi non plus, franchement. Voilà. Bah moi, c'est tropical, ma vie. Pomme cassis framboise. Donc, ça change des oasis normaux. J'ai voulu changer. Donc, ça, voilà. Donc, on a pris des petites bouteilles pour. Enfin, sauf pour la sous-marque, c'est une grosse bouteille, malheureusement. Mais voilà. Et il n'y avait pas en petit. Et du coup, marque repère pour celui-là. On fait lequel d'abord? Bah, n'importe, j'ouvre les deux. Vas-y. Hop. Tiens, avant qu'elle boive, il va falloir qu'elle. Sniff. Alors, on lui fait goûter celui-là en premier. Et ouf celui-là. Mais je peux pas, j'y arrive pas. Ah merde. Hop, on lui en met une petite quantité. Ouais. Hein. Moi aussi. Là, je dis ça, mais nos verres sont. Mes verres sont super grands. Alors, tac. Tiens, Océane, je vais te faire sniffer. Ah. Tu sens là? Il sent bon. Tu ouais. Prends le verre. Voilà. Ça sent bon. Ouais. Ouais. Si. Si, si, moi j'ai mal. C'est chimique quand même. Non, j'irai pas. Je peux commencer à boire? Et oui. Putain. Oh, c'est bon. J'aime beaucoup. Je pense savoir ce que c'est. Mais on sent vachement la cassis, non? Ouais. C'est trop bon. Ouais, parce que j'aime pas le cassis. Ah merde. Enfin, moi, c'est pas que j'aime pas, mais moyen quoi. Ah, moi j'adore. Donc je vais ouvrir. Donne, je vais le faire. Oui, parce que j'arrive pas. Je suis nulle. Et maintenant, on va lui faire goûter celui-là. Ça va, on verra. Tac. Vas-y, vas-y. Ouais. Tu tiens bien ton verre et je verse dedans. Attends, là, tu peux sniffer. Ben ouais, mais. Voilà. Thank you. Voilà. Et tu peux déguster. Ah, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ah, si, il y a une petite odeur, j'ai l'impression que c'est plus acre, non? Ouais. Oui. Comme je m'en doutais. Ah! Mais il y a une souris pourrie dedans ou. Non, ah non. Mais voilà. C'est hyper sucré. Oui. C'est pour ça que moi ça me. Et c'est toujours comme ça. Moi, avec les trucs comme ça, c'est toujours comme ça. C'est toujours sucré. Ah non. Ton verdict, Océane. Mais j'arrive pas à savoir parce que je savais en goûtant le premier qu'il était beaucoup moins sucré, mais je sais plus si quand je bois de l'oasis, c'est l'oasis qui est très sucré ou c'est la sous-marque de l'oasis qui est très sucré.
Mais déjà, moi, le sucré, trop sucré, une boisson trop sucrée, j'aime pas. Ouais, ça c'est sûr. C'est bon. C'est peut-être pour ça que j'en bois jamais, tu vas me dire du truc. Comme ça, j'aime bien le coup. Bah, je dirais que le. Qui c'est qui peut mettre plus. Je dirais que le premier, c'était la sous-marque. Ouais. Et le deuxième, la marque. Et non. C'était l'inverse. Ouais, mais je jugeais par rapport au sucré parce que odeur, j'ai pas trop vu de différence. Mais après, goût ça allait, mais avec le sucre en plus. C'est pour ça l'Oasis c'est meilleur pour le coup. Ouais. L'Oasis c'est beaucoup plus meilleur. Alors moi ça passerait plus crème comme ça, mais comme ça je suis sûre que j'aimerais pas. Et tu vois, c'est à cause des trucs comme ça que je me focalise à pas prendre de la. Enfin. Tu vois, il suffit que j'ai une mauvaise expérience pour ça, quelqu'un a ça chez lui, je le bois pas. Oui, mais ouais, mais voilà. Alors j'aurais tort. Pour le coup, Ouais, du coup, l'Oasis c'est mieux et. Ah oui, oui. Enfin, moi je trouve que l'Oasis c'est mieux que la sous-marque là. Bah, du coup, oui. Là pour le coup, oui. Allez. C'est à toi. Il reste combien de produits là? Il en reste 2. Okay. Reste 2. Bon, bah, on finit. Oui, bah, en tout cas. Voilà. C'est très bien. Allez. Hop. On lui fait goûter ça ou ça? Sachant qu'elle adore ça et ça aussi. Mais... D'accord, donc ça servait à rien de dire ça parce que du coup ça m'a. Ça, elle en a mangé hier soir. Donc pourquoi pas lui faire. De toute façon, les deux choses que j'ai vues, que ce soit les bastons ou 4 quarts, je kiffe ça. Moi, je prends ça. Par contre, c'est les bastons, on veut pas en entier. Oups. J'ai rien fait. D'accord. De quoi ? Si c'est des bastons, j'en veux pas un entier. Alors, ça, c'est la marque. Donc, il y avait plusieurs marques. J'ai hésité, à vrai dire. J'ai hésité entre la bonne maman et ça, mais bon, je me suis dit ça. C'est bon, 4 quarts. Attends. Voilà. Donc, cette marque, je sais pas si vous la. Mais non, mais je vous l'avoue. Moi, je suis habituée à me faire le 4 quarts le plus pourri du monde, c'est-à-dire le moins cher. Je le trouve trop bon. Et encore, est-ce que c'est une barre pâtissière ou c'est du 4 quarts que t'as pris ? Parce que c'est pas pareil. C'est bien marqué. Attends. Ah, c'est forcément marqué. Là, barre pâtissière et là, c'est marqué gâteau au fromage blanc. Ah ouais, donc c'est pas la même chose. Bah pourtant. Oui, c'était au même endroit. C'était au même endroit quoi. Donc je comprends. Exactement, je vais faire la différence. Est-ce que c'est cuisine ? Alors la barre pâtissière, je n'aime pas, le 4 quarts, j'adore. Ça n'a pas du tout le même goût d'ailleurs dans les commentaires. Vous êtes plus team barre pâtissière ou team 4 quarts ? Ça, c'est vraiment. Je serais vraiment très intéressée de savoir qu'est-ce que vous aimez. Et est-ce que vous savez la différence aussi? Ça, voilà, vous voyez. Tac. Moi, mes yeux bandés, je suis une pipe. Du coup, on lui faut goûter celle-là avant. Bon, on fait goûter celle-là avant et on prendra celle-là après. Elle est ouverte, mais on la coupera après. Ben, si tu veux. Hop. Alors, tiens, Sarah. Thank you. Déjà, ça sent bon. Tiens, Cécile. Non. Bah, je te donne tes mains parce que du coup, c'est quand même un gros bout, tu vois. Si je te mets ça dans la bouche. Moi, je suis pas très fan de ce truc. On tient les deux. On sent la vanille. Ça va, c'est bon. Ça, ça c'est un gâteau yaourt. On va visiter, mais c'est un gâteau yaourt. Ah, t'as sniffé une paillette. Mais Cécile, on sniffe pas les gâteaux comme ça. Ouais, mais je savais pas qu'elle était aussi près de mon nez. Ouais. Il est bon celui-là. C'est un gâteau yaourt, quoi. Celui-là. Celui de mon mari meilleur. Donc, le premier qu'on lui a fait goûter, on n'a pas précisé, mais c'est celui-là. Maintenant, on va lui faire goûter l'autre. Par contre, il n'y a pas un truc à boire parce que ça me colle dedans. Il y a l'Oasis. Vas-y, file-moi un peu de ça. Elle a dit un peu, Sarah. Tiens. Merci. Je ne veux pas d'homo. Merci. Oula. Tiens. Fais gaffe, ça miette. Ah oui, ça c'est. Ah, un niveau. Ça a plus la texture du. De la barre pâtissière, ça. C'est de la barre pâtissière.
Non, c'est pas du tout pareil. Pas du tout. Non. Donc le premier c'est le gâteau yaourt. Et le deuxième c'est la barre pâtissière, j'en suis sûre. Oui, mais c'est, à ton avis, c'est quoi la marque? C'est quoi la fumée? Ah. Je dirais que le gâteau yaourt c'est la bonne maman. Non, c'est pas la bonne maman, j'ai plus. Bah, c'est la. Le premier c'est la marque. Ouais. Et là c'est la Souma. Donc c'est quelle idée la préférée? Aucune. Non, finalement, je préfère la première et t'as juste. Ok. Donc tu mourras pas sur les gâteaux comme ça. Bah donc la première, t'avais plein de saveurs, t'avais la vanille, l'œuf, le machin. Mm-hmm. Ouais. Mais là, t'as que dalle. Moi, ça passe bien. Mm-hmm. Mm-hmm. On mange trop bien, maman. Bon, ça passe. Ouais, c'est pas grave, on a. Moi, ça va pas, quoi. Oh, attends, c'est déstabilisant, vous rouvrez les yeux après. Mm. Mmh. Ouais. Du coup, ben, c'est au tour de Sarah de déguster. Alors, on passe les trucs. D'accord. Oula, d'accord. Donc, ça va être ça. VS. Ça. Tac. Alors, je vais lui faire goûter en premier. Déjà, je vais les ouvrir pour pas qu'elle se doute. C'est ça. C'est ça que j'aime faire parce que. Tu sais, il y a l'ouverture là. Oui, non, mais. Tout le monde sait que les ouvertures faciles, elles sont pas faciles. Mmh. Ah, déjà, niveau packaging, je peux vous dire que là, par contre, ça, je suis pas d'accord. Ça plus ça, y a pas besoin, quoi. Y a de réel... Enfin, t'as vu? Ouais. C'est pas comme si la terre souffrait, quoi. Souffrait pas, quoi. Ce machin... Bon, on va commencer par ça. Ok. Vas-y, repose celui-là, alors. Hop. Bon, peut-être pas, peut-être la moitié, on va se partager. Remarque, ouais, je mange pas en mangeant entier, non? Non. Non. Tiens. Ah, d'accord. Non, tiens. Voilà. Thank you. Dégale en la moitié. Elle, ouais, calcule, elle va prendre notre moitié. Ça, je fais dire. Oh. Dans un petit café. Ouais. C'est bon. Ça va être chaud. Là, moi, j'avais jamais mangé de gnagno. Ah bon? Moi, je m'y connais en ces gâteaux. Tiens. Ça, c'est là? Non, non. C'est mon verre? Oui, moi, je suis là. Maintenant, Océane va vous montrer ce qu'on va lui faire manger. Attends, voilà. Merci. Moi, les yeux fermés, mais ça j'ai reconnu entre mille. Déjà, quand j'étais enceinte, j'en ai fait une cure de ça. Mmh. La texture des deux n'est pas pareille. Ouais, pas du tout. Moi qui connais la marque, c'est facile de reconnaître la vraie marque et la sous-marque. Je pense que la marque c'est le deuxième. Ouais. Mmh. Ouais. Sans plus la cannelle dans le deuxième. Mmh. Mmh. Mais les deux sont bons. Ouais. Après, par contre, le premier était beaucoup plus dur. Ouais. Et la texture, celle-là, je sais pas. Regarde les packaging, ils auraient pu s'en passer de ça. Hein. Oh, j'avoue. Franchement, les sur-emballages, ça suffit quoi. Ouais, ça c'est sûr. Alors là, c'est pas cool. Mm. Bah, ouais, les deux étaient bons, à vrai dire. Hein. C'était pas. Mais là, je t'avouerai que d'habitude, je suis plus sous marque. Niveau préférence. Mais là, du coup, j'ai été marque. Mm. Ouais, c'est vrai. Et quand tu fais le bilan? On a commencé par quoi? Par les curly. Les curly. Bah, j'ai préféré les curly à la sous-marque. Mm-hmm. Les belins, bon, les belins, non. Parce que j'ai trouvé aucune différence, donc non. Ouais, les deux, quoi. La saucisse sèche, j'ai préféré la sous-marque, clairement. Mm-hmm. La barre. L'oasis. L'oasis. C'est l'oasis.
La barre. La barre pâtissière, c'est le gâteau au yaourt de machin là. Donc j'ai bien aimé. Et les Boston, c'est la marque. C'est les Boston quoi, ouais. Voilà. Et toi, t'as préféré quoi? La marque ou la sous-marque? En règle générale. J'arrive même pas à savoir ce que j'ai préféré. Parce que. Attends, je vais me récupérer vite fait. Les Boston, j'ai préféré la marque. Les 4 quarts, entre guillemets, j'ai préféré la marque. Les Belin, VS, enfin les petits gâteaux apéro, là, j'ai pas senti du tout de différence, moi, donc je vous dirai pas. Les saucissons, ils sont par terre comme des chiens. Ouais, les pauvres. Je dirais que j'ai préféré la sous-marque. Les curly, comme curly, je crois que c'est que j'aime tellement ça qu'au final, moi, la différence. Ouais, bah ouais. C'est la quatrième fois tellement ce truc de cacahuète, je kiffe. Mais niveau texture, je dirais le curly original. Et niveau oasis, ah bah l'oasis. Parce que moi, le trop sucré, j'aime pas. Et toi? Et moi, bah le vrai oasis, les vrais curly, les vrais belins, la vraie saucisse. La vraie. En fait, j'ai que aimé la marque. Ouais, que la marque. Que la marque, à vrai dire. Dites-nous, vous, dans les commentaires, si vous, des fois, quelquefois, chez vous, vous vous surprenez à préférer plus la sous-marque à une marque, etc. Dites-nous ça dans les commentaires, on serait vraiment intéressé de savoir, vous, qu'est-ce que vous préférez. Enfin, moi, ça, des dégustations marque vs sous-marque, j'en ai fait, et c'est la première fois où c'est pratiquement 100% marque. Ça m'arrive très rarement, mais bon, voilà. Et n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaise. Bon, on le sait qu'elle vous plaise, puisque de toute façon, ça et les mélanges, vous aimez bien. Mais si vous voulez voir d'autres choses, et si vous voulez que nos choix se dirigent, des fois, on peut faire aussi les produits de beauté, marque vs sous-marque. On peut faire autre chose quoi, même les produits d'entretien, les lave-mains, les machins. Dites-nous dans les commentaires. Ouais. Voilà. Donc nous bon, cette vidéo est très très longue, je le sais parce que mon appareil s'est arrêté. Il s'arrête au bout de 40 minutes de vidéo. Ouais, mais après il y a eu beaucoup de petits au début. Mais bon, on va couper là. On espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à vous manifester soit dans le Discord ou soit dans le en base de commentaires ou sur Instagram. Voilà, pour me dire ce que vous avez pensé de ça. T'as autre chose à dire? Non. Et je remercie Sarah qui a financé cette vidéo. On va pas vous dire à chaque fois qu'elle finance cette vidéo, mais bon, comme c'est la première fois qu'elle finance un truc en vidéo, je crois que c'est la première fois. Sociale l'a déjà fait. Les insectes. Les insectes. Ouais. Voilà, donc c'est grâce à ça qu'on a mangé toutes ces bonnes choses aujourd'hui. Bref, nous on vous fait de très gros bisous et on vous dit à bientôt. À bientôt. Bye. Salut.